Comment ça va, les gars? Ok. Ok, bah alors c'est pas mal du coup d'avoir récupéré Bernardo Silva. Du coup, on va acheter cette équipe. Bon, en vrai, bon, Rabiot, dans tous les cas, je ne jouerai jamais avec. Juste Aubame, je l'utilisais en super sub, mais vu que maintenant il y a Tots, il y a plein d'autres cartes meilleures que celle-là. Si je le veux, je l'achèterai. Donc c'est pas très grave. Déjà, dans le chat, ouais, vas-y, je vois, vous faites vos prédictions. Continuez à faire vos prédictions. Il n'y a pas de souci, mais du coup, pour ce qu'on voudrait ou ce qu'on voudrait pas plutôt, parce qu'en vrai, on va pas être trop difficile non plus. Donc, sur ce côté gauche là, pour les titulaires, Fernandinho, je préférerais éviter. En vrai, Fernandinho, j'en veux pas. Alisson, c'est un gardien, donc c'est toujours chiant, mais pour le coup, il rentrerait dans l'équipe, je le testerais. Je serais un petit peu deg parce que c'est vraiment, il coûte pas très cher, donc ça fait un petit peu chier de l'avoir, mais en vrai, ça va, je trouve que c'est ça va. On va pas le mettre dans les indésirables. Fernandinho, j'en veux pas. Tout le reste, ça va, la porte, il est décès, donc c'est bon, il est pas à gauche. Ederson, j'en veux pas, ça fait deux. Doherty, Maddison, j'en veux pas. En gros, il y a quatre joueurs qu'on veut pas, sur 23. Non, il n'y en a pas 23. Ah, il n'y en a que 20. Mais les gars, ça veut dire que... Enfin, demain, pas ce soir. Ça veut dire que demain, dans notre pack top 100, on va avoir 11 joueurs sur 20. Je pensais que c'était 11 sur 23, mais en vrai, il y a de grandes chances qu'on ait un gros joueur quand même. Hein. Les autres, c'est en SBC. Ah, bah oui. Ouais, mais je pensais que c'était 23 plus des 2, c'est bon, ok. Oh, c'est lourd, bon, on est trop bien pour notre pack de demain. Bah, du coup, sur les 20 qu'il y a dans cette liste, on va dire qu'il y en a 4 indésirables, plus Alisson, moyen, moyen. Le reste, on prend. Van Dijk. Ah non, non, Van Dijk, je suis un ouf. Ah ouais, Van Dijk, ouais, c'est pour ça que vous me spammez Van Dijk. Ah oui, Van Dijk, on le veut pas. Ah oui, bah oui. Non, il y en a 5 qu'on veut pas là. Van Dijk, on le veut pas parce qu'on l'a déjà on a fait sur SBC Player of the Season. Et c'est exactement les mêmes stats. C'est la même carte. Donc si il est invendable. Donc si on le pack en double invendable, ben ça fout de la merde. Hein. Pourquoi tu veux pas faire Fernandinho? Bah je sais pas, je trouve qu'il a pas des stats de ouf. Je suis pas trop fan de lui dans FIFA. Il est pas hyper grand pour un MDC. Et il a une stat un petit peu dégueu en détente. Pour un MDC, moi j'en veux pas, je le trouve. Je pense qu'il est pas bon. Bon allez, c'est maintenant. 3, 2, 1. S'il vous plaît, pas irlandais. Juste pas irlandais déjà. Je le sens trop mal, je vous le dis, je le sens mal. Alisson au moins. Ouais, ça va, c'est le mieux des Brésiliens. Ouais, il ira dans mon équipe. Ça va, en vrai. Au final, vu que j'ai vu le drapeau brésilien, on a eu le mieux des trois. Mais par contre, je pense que c'est le joueur qui est le plus tombé. Samy aussi, il a eu Alisson. C'est abusé. En vrai, je suis un peu deck quand même. En vrai, ça va, parce qu'au moins, il ira dans mon équipe. Il y a peu de joueurs qui auraient pu potentiellement être titulaires dans mon équipe. Lui, oui, après, on a un peu deck parce que bon, je préfère même avoir un Salah qui sera peut-être remplaçant, mais j'aurais préféré avoir Salah ou quoi. Mais bon, il doit être plutôt bon. Après, je trouve horrible ces cartes régulières, boost, etc. Mais j'espère que cette carte torse, on la testera du coup. On verra ce que ça donne. Sérieux, Dax? T'as eu Alisson aussi? Non, c'est scripté. Ouais, franchement, les gars, c'est scripté. Là, on est trois. Avoir fait le défi dans la dernière heure, Samy l'a eu Alisson, Dax l'a eu Alisson, moi j'ai eu Alisson. Il y a un problème, c'est pas possible. Bah ouais, du coup, il rentre bien. On vendra Van der Sar, je pense. Et hop, je mets Alisson là. En vrai, c'est pas mal. Au final, c'est un des seuls qui serait titulaire dans l'équipe. Genre en DC, bah, en Maldini, Van Dijk, c'est meilleur que tous les DC de première ligue. À droite, Cancelo meilleur qu'Arnold. À gauche, Telles est meilleur que Robertson. Au milieu, il n'y a aucun joueur de PL qui aurait pu y être. Et devant, bah, il y aurait eu Hazard, quoi. Hazardson, ça aurait été titulaire. Mais c'est tout, quoi. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui veulent le faire, vous avez jusqu'à demain, donc jeudi 19h pour le faire. Après, il disparaît. Le SBC. Donc voilà, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Si vous avez quelques joueurs dans le club, surtout, vu qu'il faut un TOTS, faites soit le défi. C'est comment qu'il s'appelle le joueur déjà? Rice, non? Ce que j'ai fait tout à l'heure en clash équipe. Ouais. Soit vous faites ce joueur-là. Donc super simple à faire. Vous devez faire 15 passes de à niveau pro. Logiquement, vous mettez avec un joueur anglais. Vous mettez un anglais dans votre équipe. Justin, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. En deux matchs, normalement c'est plié. En niveau champion, pardon. Pas pro. Vous regardez, il y a écrit dans le défi. Vous faites rentrer un anglais. Moi j'ai fait rentrer un anglais 78 que j'avais. Je le faisais rentrer en début de match. J'ai fait un match où le premier match il a fait 12 passes D et le deuxième, bah, du coup j'ai fait les trois dernières.
Et du coup, bah, j'ai fait en deux matchs, en une demi-heure, quoi, vous pouvez récupérer Stotts. Au moins, vous pouvez le mettre dans le défi. Et sinon, si vous voulez pas jouer en clash équipe ou quoi, ou si vous voulez encore mieux, comme moi j'ai fait, vous mettez Gomis. Gomis, vous avez juste à faire 5 victoires en match solo en ligne avec une équipe d'Arabie Saoudite. C'est un peu plus long, du coup, mais ça vaut le coup. Et au moins, bah, ça vous. Le SBC coûte à peu près 170 000 selon Futbin. Si vous enlevez le TOS, vous allez économiser au moins 50 000. Si vous avez quelques joueurs dans le club, ça peut redescendre. Moi, j'ai dû payer bah ouais, 25 000 crédits, je crois. Donc, ça va. I've been going through some shit that's getting real now.